fallait transmettre un message. Le but, c'est pas de créer un jeu divertissant pour le plaisir de créer un jeu. Dans le premier jeu, par exemple, il y a une histoire qui met en avant deux royaumes qui vont s'affronter pour contrôler un fleuve qui est super riche en or et en diamants. Il va y avoir beaucoup de morts, ça c'est des histoires classiques en Afrique. Et à un moment, il y a un jeune orphelin qui va arriver, il va aller voir son roi et il lui dit, on n'a rien en commun avec l'autre royaume. Tout ce qu'on a en commun, c'est ce jeu de plateau. Et pourquoi on ne l'utiliserait pas pour trouver une solution pacifique au conflit? Je voulais faire écho à tous les conflits que, par exemple, la Centrafrique a eu, qui a fini par se transformer en conflit religieux entre chrétiens et musulmans. Et pour moi, en Afrique, on n'est pas obligé de passer par les armes à chaque fois pour trouver, pour résoudre nos conflits.